C'est Malroll, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode de Subnautica. Donc cet épisode, comme l'épisode 4 justement, j'ai pratiquement tout l'épisode où en fait j'ai la vidéo sans le son. Donc ça sera la vidéo avec ma voix par-dessus. Donc je vous retrouve tout de suite avec la vidéo et mon commentaire par-dessus. Voilà, donc là je vous retrouve sur l'île qui est à l'arrière de l'Aurora, enfin du côté de l'arrière de l'Aurora. Dans le dernier épisode, on était sur l'île qui était à l'avant de l'Aurora, à gauche, quand on sort de la capsule de survie et qu'on se met avec la capsule de survie et l'Aurora dans le plan visuel. Alors donc là je vais regarder, donc sur cette île il semble qu'il n'y a pas de fourmis. Donc, je vais scanner un peu tout ce qu'il y a d'intéressant. Des couchets tachetés, ok. Arbuste Vauxhall. Sont des noms bizarres, hein, ici. Ici, nous avons champignon orange. Là, ça se comprend. Ça ressemble à un champignon, c'est orange. Alors, on va faire un peu d'escalade, hein. Il y a peut-être des chemins, mais bon. À escalader, on est bien à escalader. Allez, montons. Le pire, c'est que j'arrive à escalader, hein. Aïe. Un moment où je lâche quand même. Alors comment je fais? Elle est belle la vue, hein. Il y a une bien belle vue. Aïe. En même temps tu sautes de la montagne, c'est pas malin. Allez vas-y monte. Voilà. Parfait. Ah ok, donc on monte en haut parce qu'il y a juste. Il y a une base avec des morceaux de base à scanner. Pour justement. Que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la fin. Là, justement, là, je commente. Tiens, là-bas, il y a un autre morceau de base qu'on ira voir après. Je commente justement ce que je fais dans ça ici. Et donc, à la fin, il y a un morceau que j'ai pas encore tourné, que je tournerai plus tard. On va construire notre base. Mais bon, du coup, vu que j'ai perdu un petit peu, j'aurai pas tout ce que j'avais. Faudra que je fasse un peu de recherche. J'aurais pas forcément tout ce que j'avais. Alors, une porte étanche. Ok, allez. 90, 100. Voilà. Projecteur. Un projecteur, et parce scanons, hein, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il y a ici? Observatoire. Bah, allez, je scanne. Hein. 40, 50. 10, 80, 90, 100. Parfait. Rentrons à l'intérieur, voir ce qu'il y a d'intéressant. Caisse de fourniture avec de l'eau. Parfait, ça, de l'eau. Je vais pouvoir boire. Palmier fougère. C'est un palmier qui ressemble à une fougère avec des feuilles de fougère. J'ai jamais vu ça, hein, mais bon. On est sur une planète alien. C'est bien possible. Alors, qu'est-ce que... Ah, je peux ramasser? Bah, apparemment. C'est intéressant. Donc là, il y avait un PDA aussi à l'intérieur. Ah tiens, je descends par le chemin. Oui, je descends par le chemin. Ah, quoi que non. Finalement, pas descendre par le chemin, c'est aussi une bonne idée. C'est plus rapide aussi. Hein. Et je descends vers l'eau. Ok, alors qu'est-ce que j'ai? On retient une base, un autre morceau de la base. Et parce qu'il y a non, parce qu'on a toujours pas trouvé la salle multifonction, qui serait quand même assez utile. Fruits lanterne, ça se mange. Plus 10 de nourriture et plus 3 d'eau, bah allez. C'est totalement rentable, hein. Ah, on peut en manger plein là. Direct. En plus, vu que c'est du fruit, ça doit pas être si mauvais que ça. Alors, est-ce que je peux en prendre d'autres? Ah, voilà. Ok, j'en ai repris un petit peu d'autres, hein, histoire de
voir. Qu'est-ce qu'il y a qui scanne? Plante, bug. Encore des mots bizarres, hein. Des mots, comment savoir l'habitude. Comme là, le gros. Le méchant, là, le Reaper Léviathan. Qui a eu l'idée de lui donner ce nom-là. Ça se trouve, de base, il s'appelait le petit ourson. Marbré, petit marbré. Bien. Plus 12, plus 14, les mangeons. Ah, un crabe. Je peux ramasser, ok. C'est ça, c'est vraiment en place. Les crabes sont vraiment infernaux sur les îles, hein. Vraiment infernaux. Patate chinoise. Des patates chinoises, ok. Il va arrêter de me sauter dessus là, ce crabe. Viens te battre. Vas-y, viens. Tu vas te planquer. Ah bah non, non, tu reviens. Je vais te tuer, tu vas voir. Ça y est, mort. Je l'ai tué. Ça t'apprendra à t'attaquer à moi. Alors, allez. Un mur végétal. Moi, je vois plutôt un mur en mauvais état d'ici. A voir. Alors, comment est-ce qu'on rentre ici? Attends. Ah, bah, il y a une porte. Je vais faire un bon moyen d'entrer une porte. Hein. Oh, il y a encore un crabe. Ah, c'est ça le mur végétal. Ok, je comprends. Il y a une porte, mais moi je décide de rentrer par les ouvertures de ce qui a été cassé. Ça marche aussi, hein. Utilisons l'échelle. Très bien, je suis en bas. Alors, une caisse de fourniture avec une pile. Bah, c'est parfait ça. Je prends direct PDA. Journal vocal des gaz de tempête. Comment est-ce qu'on rentre? Ah bah. Ah non, mais en fait là il n'y a pas de vitre. Est-ce que je vais m'en rendre compte? Il n'y a pas de vitre et que je peux rentrer ou... Avance. Ah, j'ai même pas fini de scanner la salle. Ça y est, je l'ai. On va pouvoir faire la base. Alors, non, moi je peux pas rentrer. Je vais faire le tour histoire de vérifier peut-être. Alors, par le dessus, ouais. Peut-être. Fait. Non, il n'y a pas d'entrée par là. Ah non, en fait, je me rends pour revoir si on peut vraiment pas passer par l'entrée. Non, non, mais c'est vraiment bloqué, hein. Passer par la fenêtre. Ça aurait été plus simple de passer par la fenêtre. Tu sais, quand la fenêtre est cassée, autant en profiter. Allez, sortons ici. Je veux vraiment pas passer par la porte, hein. Il y a une porte, mais non, non. Parlez pas, je passe pas par la porte, moi. Alors, j'ai découvert le verre émaillé, ok. Ce sera peut-être utile à un moment, hein. J'imagine que ça va me servir pour faire un craft à un moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de découvert? Ah, tablette violette, ça semble que ça date de l'épisode dernier. Si on continue à descendre, il me manque un morceau de fusil à stase. J'ai trouvé le schéma du découpeur laser, ok, le constructeur d'habitat aussi, je l'ai. Il faudra qu'on fasse, bon, c'est pas trop dur à faire, hein, pour faire la base. Appareil de découpe capable de
percer des portes en titane standard. Bah, c'est utile, hein. On fera sur mon prochain épisode. Enfin. Quatre en propulsion. Ah bah celui-là par contre, il faudra que je le retrouve. Piège à gravité. Ah là, schéma de cyclope. Coque et pont. Et donc il manque un peu du moteur. J'aurai le schéma du cyclope, hein. Du cyclope comme ça. Alors que j'ai pas du tout encore fait le. Le. Comment ça s'appelle? Le. Le 6 mois, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Station, modification. On est 1 sur 3, ok. D'accord. Bah, on va monter à la montagne. Enfin, monter à la montagne. On va monter en haut de la montagne. Aïe! Pareil, là, je fais de l'escalade aussi. Allez, on va voir, je vais faire de l'escalade un peu là. Bah non, du coup, en fait, je galère un petit peu là à escalader. Voilà, ça monte bien. Et j'arrive sur du vert, mais il n'y a pas de chemin, ça va. Aïe, ah non, c'est bon. Ok. Oui. On a fait du tour, hein, mais bon. Alors, rien senti là. Ah bah j'ai encore rien senti, parfait. C'est bien ça si je sens rien. Ah, le chemin serait-il là? À droite. On va trouver le chemin, peut-être dans la grotte. Là c'est tout juste de l'herbe. Hein. Suivons le chemin, histoire de voir un peu s'il mène là où on veut aller. Bah, il a l'air de monter, hein. Donc, c'est l'air d'être là. Il y avait un trou, j'ai failli tomber là. Je me suis fait peur. Allez, on va pas aller trop vite là, il faut éviter de tomber. Et je suis tombé. Aïe. La vie elle diminue, hein, tu sais, à force de tomber. Essayer d'escalader. Hein. On se retrouve une fois que je suis en haut de la montagne. Hein. Donc là, ça y est, je suis arrivé en haut. Et donc, qui va ça a l'air de ressembler un peu à l'autre côté, oui. Ah, bah, il y a des patates chinoises ici. Et du melon marbré. Melon marbré, non, quand même. On a des idées. Hein. On va manger des lanternes, c'est ça? Des fruits lanternes? Boucher tacheté. Ça a l'air étrange. Ici il y a un PDA abandonné. Ah bah c'est le 1. C'est-à-dire le 1, le 2. Et donc là pendant que je cherchais à monter, j'ai trouvé le 3 aussi. Dégazi. Ok. Voilà, bah là. Il y a un endroit qui. On dit qu'on va. Donc comme vous l'avez vu là, la semaine dernière, oui, c'est ça. C'était un épisode, c'était le premier épisode de Frozenia qui va donc remplacer pendant quelques temps Subnautica, histoire de changer un petit peu. Et donc l'épisode 6 de Subnautica donc sortira dans un petit moment, dans deux semaines. Et puis voilà, ça sera les épisodes de Frozenia. Voilà, alors donc je vais plonger en faire un plat. Voilà, j'ai fait un plat. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? C'est des flotteurs géants, ça. Ça se scanne. Flotteurs anciens. Comme ils sont anciens, ils ont beaucoup d'envie. Ils soutiennent des grands cailloux. C'est une île, hein. Mais bon, il reste un grand caillou. Donc, je vais à la base alien parce qu'on n'a pas tout exploré au dernier épisode. Tout le monde, donc là on est arrivé à l'île où il y a justement cette fameuse base alien. Et donc, on
On va aller finir d'explorer ce que nous n'avons pas exploré au dernier épisode, justement, parce qu'il y avait quelques pièces que nous n'avions pas vues. Là, il y a 2-3 lags, 2-3 problèmes au niveau de l'enregistrement des images. Alors, donc, il faut rentrer ici. Et donc, ensemble. Est-ce que, alors ici on est donné, ici on est pris. Et alors donc ça devait être en bas, on n'avait pas pris quelque chose. Ah voilà, cubionique, bon, alors on n'avait pas pris le cubionique. Ramasser cubionique, ok. L'animation est pas mal hein. Voilà. Analysis of the patterns on the walls cannot ascertain whether their purpose is aesthetic or functional. Further data required. D'accord. Donc ici, il y a un cubionique encore et des données à télécharger. Engage un cubionique. Ben, ça va être compliqué alors. De comprendre si c'est un nouveau. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Your best probability of interfacing with this facility is achieved by accessing. Mais pas y aller. Bon, ok. Tant pis, je suis tombé. Ah mais c'est un ascenseur. Bon bah ça va alors. Ça va alors si c'est un ascenseur. Et donc, j'ai une piscine. Ah bah non, c'est bon. Gare à... C'est le hangar à sous-marin, parce que là ils peuvent rentrer des grands sous-marins. Ok, ah oui. On est quand même à 111 mètres de profondeur ici. Allez, remontons. Ascenseur. Si. L'ascenseur est quand même bien. C'est pas exactement les ascenseurs qu'on connaît. Là, t'es directement transporté. Allez. Allons-y. Allez, on va reprendre l'ascenseur. Voilà, alors ici, on va aller voir ici là-bas l'autre entrée. Ah oui, 92 mètres quand même. Je suis quand même descendu de 90 mètres là grâce à l'ascenseur. Et donc, on va aller voir tout ça. Alors, tout ça j'ai déjà scanné. Je peux pas le prendre, je peux rien faire avec. Hein. On est bien d'accord, alors. J'ai bien avec moi deux. Ici, il y en a un troisième. Ah bah, c'est cool, hein. Ça monte encore. On essaye de voir, et bah, je crois. Vital signs stabilizing. Alors, ça aussi, j'ai scanné la dernière fois. On s'appelle, c'est le dispositif de fin du monde. Comme ça, quelque chose. C'est un truc qui fait la fin du monde qui vaut mieux éviter. Alors là. Ah. D'accord. Bien sûr, il faut encore une tablette pour y passer. Et ben, je vais retourner. Il y a une tablette violette quelque part. On va bien voir. Hein. La tablette violette. Alors. Pas ici, non. D'après ici, ah voilà une tablette violette. Et ben, je vais la prendre comme ça, je pourrais rentrer.
Voilà, alors on va remonter. Voilà, et donc cette fois j'ai la tablette violette à mettre pour rentrer dans la salle de contrôle. Et voilà, plus de champ de force, je peux passer. Et ouais. Un champ de force ne suffit pas à m'arrêter. Regardons, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici? Pas l'impression. Ben, pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Voir ici. Interagir. Bah, allez, interagissons. Ah mince, il va mettre sa main. Ok, donc là, il me regarde. Salut, ça va? I'm Peak. Qu'est-ce qu'il va faire? The control panel is broadcasting a message. Translation reads: Warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Cette planète a été mise en quarantaine. Alors, je vais tout scanner. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Translating background broadcast. Downloading summary to data bank. Bah dis donc, ça a pas l'air très très cool ça, hein. Je suis infecté, hein, c'est marqué sur le scanner. Sur le scanner, donc. Ok, il va falloir peut-être que je trouve un moyen de pas plus être infecté pour pouvoir désactiver l'arme. Alors, ici, allez, continue. Alors on va redescendre tout ce qu'on a monté, hein. On va redescendre de 20 mètres quand même. C'est pas rien, 20 mètres, hein. C'est quelque chose. Ouais, ça, on est redescendu de 20 mètres. Ça y est, on a redescendu les 20 mètres exactement. On était à 60. J'ai scanné en haut l'arche. Donc voilà. Alors par où est-ce qu'on sort? Par là. Ok. Ah, on va reprendre l'ascenseur. Cool. Il est cool cet ascenseur. Alors, schéma. Qu'est-ce qu'on regarde dans les schémas? Je vais remonter tout en haut, mais bon, j'ai pas de nouveau schéma. Très bien. Ok.
sortons. Voilà. Bon, alors là, du coup, il y a déjà le premier épisode de Frontier qui est sorti, ou cette vidéo sortira. Et honnêtement, je l'ai déjà tourné, du coup, et je me suis bien amusé, enfin, là, tourner, puis du coup, j'ai une faction, et là, je m'amuse bien sur Frontier, donc il y aura sûrement une. La série là, il y aura du contenu dans les épisodes, enfin à chaque fois j'ai des choses à mettre et tout. D'ailleurs pour ceux qui sont pas allés voir qui ont pas vu le premier épisode de Frontier, y a un pillage dans le premier épisode. Direct. Allez, montons dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Un crabe, ok, on va vite. Je fais des esquives de crabe. Ah, pour esquiver. Ça monte, hein. Il y avait un truc par terre là. J'ai vu quelque chose par terre, on verra bien si je vois. Inséré cube ionique. Ok, un portail. Waouh. Et ben, je pense que si on passe dans ce portail, ça sera sûrement. On va voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté déjà. Mais ça sera soit dans le prochain épisode ou alors dans cet épisode. On verra bien. Allez, j'ai fait le portail. On passera dedans à la fin de cet épisode, je pense. Parce que attends, le prochain épisode qui arrivera dans mon temps. Ce sera embêtant quand même. On passera dans le portail à la fin de cet épisode. Là, ce sera la dernière chose qu'on fera. Juste avant de conclure cette vidéo. Donc là, moi je vais retourner à la capsule de survie pour construire tout ce qui est nécessaire pour faire notre base. Voilà. Donc, je trouve quand j'y suis. Sur le, ça n'a pas encore été tourné donc. Cette fois, il y aura le son de ma voix directement, ce sera pas un commentaire. Retournons, ça y est, je suis arrivé à la capsule de survie. J'ai pris donc ce dont j'avais besoin, les minerais dont j'avais besoin pour construire ce que nous allons construire. Donc, on va tout de suite faire aller dans personnel. Ça doit être dans outils, et donc c'est constructeur d'habitat. Donc, il me faut le circuit intégré et le kit de câblage. Très bien, donc on va aller ici. Je peux faire le kit de câblage. Je vais. Tac, avec 2 minerais d'argent. Et ensuite, pour faire le circuit intégré, il me faut du fil de cuivre. Que je vais faire aussi. Voilà. Et maintenant, circuit intégré. Parfait. Kit de câblage avancé. D'accord. Donc, on était ici. Et constructeur d'habitat. Voilà. D'accord, donc maintenant il va falloir qu'on aille voir un endroit. Si je fais un clic droit là. Ah oui, oula. Ah bah c'est tout ce que j'ai déjà découvert. Alors comme je vous l'avais dit justement dans le début de l'épisode, il doit y avoir quelque chose que. 2-3 trucs que j'ai pas, je pense. Comment est-ce que je fais avec les. Ah voilà, clic droit pour repartir. Donc pour faire. On va aller s'éloigner un petit peu pour faire notre base, hein. Si on peut la faire vers 100 mètres de profondeur, je pense que ça peut être une bonne idée. Je retrouve une fois que je suis à l'endroit où on fait notre base. Re tout le monde, je pense. Ah bah non, en fait ici il n'y avait rien, mais je pense qu'on peut faire notre base ici. Ça m'a l'air d'être une bonne idée vers 100 mètres. Ah tiens, il y a un message à la radio. Et ben, on ira l'écouter après. Donc je disais que ici là, juste en dessous, ça m'a l'air à peu près plat, c'est vers 100 mètres de profondeur. Après, faut voir s'il y a un peu plus profond à côté, ça peut être cool de le faire à côté d'un endroit voilà, où ça descend après vers 200 mètres de profondeur. Waouh! Par exemple. Ah mince!
Ah voilà, annulé. Voilà, alors par exemple, si on fait notre base ici, oui, ça peut être bien, tiens. Je prends. Voilà. Vous voyez, là, on est à côté d'un endroit où ça descend un peu plus. Bon. Je pense que faire la base par là, ça peut être une bonne idée. Donc, on va la faire... allez, faisons-la... Ah bah tiens, ici, il y a des morceaux de trucs cassés. J'ai déjà dû scanner, mais bon, on sait jamais. C'est une porte scellée, ça. Regardons. Ah, j'ai pas scanné ce fragment, c'est mof. Allez, scannons. Le fragment de Simov, tac, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Oula, alors il y a lui. Et ben, allez, on va se mettre ici, là. Ouais, ça me paraît bien. Bon, par contre, avec les requins des sables, c'est infernal. Hein. Alors là, j'ai encore un fragment de Simov. Et là, qu'est-ce que c'est? Un fragment de découpeur laser. La main, c'est vite, faut que je remonte. Aïe, c'est mal parti là. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors, donc redescendons. Mince, j'ai rien fait cuire. Bon bah, tant pis, je vais manger. Voilà, ça m'a l'air bien, ça doit être mieux comme ça. Donc on va récupérer ça, le temps, voilà, tac, tout de suite. Et maintenant on va construire la base. Ah mais il y a un titan ici. Voilà. Alors, donc, si on commence là déjà par faire une salle multifonction, chambre d'immersion, observatoire, consolidation, fenêtre, écoutille, module extérieur... centrale thermique, pièce d'intérieur, module intérieur, ok, divers, machine à café. Et ben je pense qu'on va faire une salle de multifonction. Ah oui, il y a besoin de pas tous les trucs dont je peux avoir besoin là. Chambre d'immersion on va pas faire tout de suite, on va faire une salle de multifonction déjà. Et bah allez hop ici. Je vais la faire, tac. 100%. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une entrée ou je... Il me semble qu'il va falloir que je mette l'entrée aussi maintenant. Ah. D'accord. Voilà, alors ensuite, donc, on tient encore du grès. Alors, donc, on va refaire un clic droit, et donc ici maintenant, si je mets une écoutille peut-être pour rentrer, ah, il faut du quartz. Si on vient ici, il me semble qu'il y a du quartz. Ah là du quartz, voilà. Donc, je disais, hop, une écoutille. Compartiment envers elle. Elle est une écoutille qu'on va mettre ici. Maintenant je peux rentrer. Ah donc là je suis quand même, je perds quand même de l'oxygène, ok. Il va falloir que je mette quelque chose pour faire de l'énergie. Je vais remonter une fois en haut, je vais regarder un peu ce qu'il y a d'intéressant pour mettre de l'énergie. Alors, module extérieur peut-être, panneau solaire.
de quartz, magnétite, bon, centrale thermique, je vais pas pouvoir le faire tout de suite du coup. Transmetteur de puissance, étant la portée d'une source d'alimentation. D'accord. Bac à culture d'extérieur. Pompe à air murale, et ben je pense que je vais mettre pompe à air murale. Déjà. Et ensuite, je vais aller chercher pas mal de quartz et de l'or et tout. Avant de revenir ici. Voilà, hop, pompe à air. Alors maintenant, si je rentre. Non, non, si je rentre, je perds toujours de l'oxygène. Donc il faut bien sûr que j'alimente. Et bah, je vais récupérer un petit peu de minerais et je vous retrouve une fois que j'ai des minerais pour mettre construire la base. D'accord. Et ben on ira voir ça, oui, un prochain épisode je pense. Donc là ça y est, je suis ici. Et donc je vais mettre, donc c'était ici, voilà, panneau solaire. Est-ce que je peux poser ici? Bah allez, construisons-le. Alors, est-ce que du coup, maintenant à l'intérieur. Ah oui, 0 sur 75 la puissance parce que. Il n'y a pas de. De soleil, il fait pas encore jour. Bon. Bah, en attendant, on va agrandir un petit peu. On va peut-être aménager aussi l'intérieur. Bon, voilà, allez, redescendons. Voilà, ici donc, maintenant, projecteur, bac à culture extérieure, pompe à air murale, d'hiver, qu'est-ce qu'il y a dans d'hiver, écriteau, si tu veux, tente, oui bon, c'est pas encore le plus important, alors, si je mets un compartiment en verre, là, non mais moi je vais le mettre là, voilà. Si tu mets un compartiment, qu'est-ce que ça donne là? Ça m'a l'air pas mal, hein. Quoique, si je rajoute une salle multifonction maintenant, du coup. Donc bah, je vais le déconstruire. Voilà. Tac. Et donc on va faire un compartiment L en vert ici. Voilà, alors faut que je remonte. Oxygène. Oui, je sais. Redescendons. Et maintenant on va ajouter une deuxième salle. Tac. Alors, une deuxième salle. Salle de scanner, tiens. Localise les ressources à portée. Et bah allez. Ah mais j'ai pas ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour la faire? Il faut deux minerais de cuivre et j'en ai qu'un. Il faut un échantillon de corail plat. Tac, allez, est-ce que c'est possible de le coller à la salle? Ah, alimentation. Du coup là je commence à le faire, ok, et donc il me manquera un cuivre, c'est ça. Et un enchantillon de corail plat avant que je puisse y aller. Très bien. Et ben, je vais essayer de trouver ce cuivre.
C'est plat, c'est profond ici, mais... Ah bah tiens, oui, c'est vrai. Voilà, tac. Distributeur automatique. Là, j'ai oublié de prendre l'échantillon de corail plat. Mais bon, je finirai pour ça pour le prochain épisode. Alors ici, donc, on va aller voir à l'intérieur, on va faire un petit peu d'aménagement. Voilà, écoutille. Cool. Joli studio. Alors, dans module intérieur, on va faire un pack à culture intérieure, ça peut être intéressant. J'ai pas pris avec moi, mais j'ai justement des patates chinoises à planter. C'est fini, voilà. Ah oui, je peux y mettre. Ah oui, non, faut que je mette des trucs qui se construisent. Rechargeur de batterie à haute capacité. Ingrédients inconnus. Ok. Armoire, il me manque de titane. Ah mince. Bah, puisque ça, pour l'instant, ça me sert pas. Voilà. Tac, je vais le laisser comme ça. Grande armoire. Tac, voilà, on va tourner un petit peu. Ici. Et voilà, construit la grande armoire. Ah oui, il y a de la place. Et bah cette base elle est bien là pour l'instant. Puissance 75 sur 75, ok. Parfait, là la porte est fermée. Très bien. Donc et ben comme je vous l'avais dit, on va aller passer par le portail. Et donc je vous retrouve devant le portail. On améliorera la base dans le prochain épisode. Comme il y a encore pas mal d'améliorations à faire, mais bon là ça commence. Là-bas, l'épisode commence à être long. Ça y est, c'est donc de cette manière que nous allons conclure l'épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo. Abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'est Ménarol. Salut. Qu'est-ce que je fais? Ah, je passe, je mets ma main. Téléportation. Bah, j'espère que cette série sur ce Musica vous plaît, hein, d'ailleurs, si. Ouais. Qu'est-ce que... Ah, ça y est. Je suis arrivé à un autre portail. Le même. Non, ça a pas l'air d'être le même. Non, non, c'est pas le même portail. Je suis arrivé à un autre portail. Ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici? Qui font que ça valait le coup de... Qui font que ça valait le coup de passer le portail parce que pour l'instant j'ai passé le portail pour rien pour moi là. Bon. Allez, salut. Tac.